Nous sommes le 12 avril 1995 sur la 59e édition de la classique wallonne, la célèbre Flèche wallonne, 205,5 km au programme à travers les Ardennes, entre Spa et Huy. 11 côtes à gravir au programme, dont 3 fois le terrible mur de Huy. On est un an après le fameux triplé de la formation Gewiss. La course a tout d'abord été animée notamment par le jeune belge Axel Merckx, qui portait à l'époque le maillot de la Motorola, mais les formations Gewiss, si on ne sait, vont veiller au gras. Et le moment fatidique de cette édition, ce sera l'ascension de la côte de Bohisseau, où le vainqueur de Paris-Nice et de Milan-San Remo, le leader de la Honda, Laurent Jalabert, va attaquer. De la Squivas, lui, ne peut pas suivre, mais deux coureurs vont accompagner Laurent Jalabert. Deuxième de Milan-San Remo, battu par Jalabert, et deuxième de Tirreno Adriatico, l'italien Maurizio Pondrieste, et le troisième de l'édition précédente et troisième du critérium international, Evgeny Berzin, le coureur russe de la Gewiss. Derrière, c'est les MG Technogym avec Rebellin et Bugno et les TVM de Roux et Denbacher qui vont réaliser le plus gros du travail. Mais devant, le trio va creuser un écart irrémédiable. Et nous sommes dans la terrible ascension du mur de Huy, 1300 mètres à plus de 9% de moyenne. Et donc le premier à lâcher, c'est Evgeny Berzin suite à l'attaque de Maurizio Fondriès, le leader de la Lamprey. Avec Jalabert, ça va même se toucher à 75 mètres de la ligne d'arrivée. Mais finalement, le plus fort, comme sur la Primavera, c'est Laurent Jalabert qui s'impose donc devant Maurizio Fondriès, deuxième à 2 secondes. Jalabert met fin à 5 ans de domination italienne sur la Flèche wallonne. La troisième place pour Berzin à 26 secondes. Casagrande et Gianetti complètent le top 5 à 50 secondes.